très très forte. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui normalement va perdurer dans le temps, qui va grandir en même temps qu'elle. Et c'est vrai que voilà, en étant un petit peu attaché aussi à la commune, bon, c'est vrai que ce sera toujours agréable de venir au fur et à mesure des années voir l'arbre pousser en même temps que notre petite fille. Donc voilà, on est des parents contents. Puis ben, Constance sera contente de pouvoir dire plus tard, c'est mon arbre. La naissance d'un être et un arbre, comme quoi c'est la nature et c'est le fil naturel de la vie. La nature, la vie, la naissance de quelque chose et puis la longévité. Et la robustesse. C'est un acte écologique et aussi la symbolique de la naissance de notre fille. Donc je trouve ça très bien que la mairie de Roncq pense à planter un arbre pour quand on entend parler de la déforestation, tout ça. Je pense que ça permet de contribuer et de mettre notre petite graine aussi. Je trouve que c'est super intéressant justement de planter un arbre pour Jazz qui permettra de voir l'évolution quand elle grandira et voir l'évolution de l'arbre. On commence à bien la connaître parce que c'est notre troisième arbre pour la commune. Donc c'est vrai qu'on vient toujours avec plaisir et puis d'avoir ce parallèle entre la nature, l'environnement et puis les enfants. Ça va grandir en même temps qu'elle. Son frère en 2010 aussi, il a été planté. C'est une belle symbolique en fait d'associer la naissance de Rose à un arbre planté et puis ça nous faisait un souvenir donc de toute cette cérémonie. On est très touchés parce que aujourd'hui on aime beaucoup la cérémonie de l'arbre parce que ça nous fait penser au petit prince, je grandirai comme un arbre, et je trouve que la symbolique elle est super sympathique. 2007 c'est un grand millésime puisque il y a 36 enfants qu'on va voir ce matin. Je grandis, tu grandis, c'est un enfant, un arbre. C'est aussi un fort engagement dans l'environnement et notamment la COP21. Avec Rodrigue, quand on a organisé ça il y a déjà fort longtemps, on se disait mais comment on peut voir les parents et les enfants qui sont nés, pas les parents mais les enfants qui sont nés dans l'année. Et on s'est dit, c'est une belle opération, il est couplé avec un arbre, c'est plutôt pas mal, parce que moi j'avais se dire qu'on avait compté, comme peut-être vous aussi, à l'arbre à votre naissance, et je suis très heureux que cet arbre soit toujours là au bon four. On est dans une société où la place de l'enfant n'a jamais été aussi importante. Beaucoup plus importante qu'il y a sans doute 50 ans, 60 ans pour les grands-parents qui sont derrière. Sans doute. Ils étaient aimés, ces enfants. On les aime plus de la même manière. Et ils savent ce que je suis en train de dire pour eux. Faites attention à une chose, c'est que l'amour peut étouffer complètement. Et l'amour peut aller dans un sens complètement différent de celui que vous auriez décidé dès le départ. Parce que n'en faites pas des enfants insupportables. N'en faites pas des enfants.